Un nouveau chantier qu'on a démarré. Donc du coup on est sur une résidence que là on est en train de tirer les colonnes d'eau, donc à l'aide de laser, tout il faut qu'il soit droit, hein. Résidence de centre-ville, 4 mètres du plafond, donc on est en train de tirer une colonne de cuivre en diamètre 22 à l'aide de laser. Donc là on a fait une traversée, il faut qu'on descende dans le sous-sol pour voir, tout un bordel déjà il est là, à quel endroit ça tombe. Là j'ai jeté un tige de 1 mètre dans le trou, en espérant qu'il est sorti quelque part. S'il n'est pas sorti, eh ben non, il est sorti nulle part. Parce qu'en fait on a l'ascenseur à ce niveau là, et le raccordement il doit sortir à ce niveau là quelque part. Donc qui n'est pas dans notre cas, donc nous on continue de tirer. On ne sait pas est-ce qu'il est dans le mur, est-ce qu'il est dans le poutre, mais en tout cas c'est pas sur ce côté là. Donc c'est parti, on continue de faire notre percement. Donc je vous fais voir à peu près, là on a une colonne de 32, donc alimentation générale, des vieilles nourrices en cuivre, donc il y a plusieurs alimentations, donc il va falloir qu'on supprime tout, qu'on se raccorde sur une raccordement général à ce niveau là avant le compteur. Donc sauf que nous avant le compteur c'est 32, après c'est 22, après c'est 20-27 et c'est reparti en 20-22. Donc du coup on va voir déjà qu'on essaie de repérer d'abord notre raccordement et après c'est parti.